Good morning everyone. Aujourd'hui, je partage avec vous tous mes secrets en matière de paramètres photo pour la photo de rue, la photo de voyage et on va parler aussi un peu de matos. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode et bienvenue à Chicago. Alors voilà, ça fait plus d'un an, plus de deux ans maintenant que je voyage un petit peu à travers le monde et que je prends plein de photos et je me suis dit, c'est parti, je vais partager avec vous en français un petit peu tout ce qui est paramètres photo, tout ce qui est matos que j'utilise dans la photo, ce qu'on appelle street photography, la photo de rue. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un tas de paramètres qu'on peut utiliser, il y a un tas de fonctions dans sa caméra qu'on peut utiliser et tout ça va avoir un impact sur ses photos. Et bien évidemment, le matériel qu'on va utiliser aussi. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu quelle est mon approche par rapport à tout ça et quels sont les paramètres que j'utilise le plus dans mes photos, surtout dans la rue. Alors, avant même qu'on parle du mode de caméra que j'utilise, la première chose que je décide, c'est si je veux que mon sujet soit figé ou s'il soit un petit peu flou. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça dépend vraiment des situations. Des fois j'aime bien qu'il soit flou, des fois j'aime bien qu'il soit figé. Donc en fonction de ce choix artistique, au final, ça va déterminer ma vitesse d'obturation. J'ai plusieurs cas en fait. Si j'essaie d'avoir mon sujet très flou, par exemple, je vais shooter un 1/8 de seconde, un 1/15, un 1/25 et je vais avoir du flou dans le fond, ou des fois je vais avoir mon sujet qui est flou, ou de temps en temps j'ai carrément le sujet qui est net et le reste de l'image qui est flou. Ça dépend vraiment des cas, c'est... j'aime bien jouer avec cette partie vraiment de l'appareil. Deuxièmement, ça va être si je prends des portraits ou si des gens qui sont un petit peu statiques, etc. Ben j'essaie de shooter autour de 1/80 de seconde, 1/125 de seconde à peu près sans descendre en dessous. Et là, si je shoot des portraits que les gens ils bougent un petit peu beaucoup ou alors qu'ils sont en train de marcher lentement vers moi, ben ça va être 1/250 de seconde minimum. Après, dernier cas, si je shoot de l'action, paf, on va passer à 1/500 de seconde, 1/1000, 1/2000. Et ça, c'est vraiment très pratique. Si tu vois quelqu'un passer en vélo, par exemple, dans une rue ou alors qu'il est en train de pousser une chariote, et ben, tu veux capturer l'action, et ben là, je te conseille vraiment de shooter avec une vitesse d'obturation élevée. Maintenant, il y a plusieurs choix en fait. Moi, quand je shoote, je peux shooter tout en manuel ou l'autre mode que j'utilise sur mon appareil beaucoup, c'est AV ou Aperture Priority, qui est en fait une priorité à l'ouverture. C'est-à-dire que l'ouverture de mon objectif va avoir la priorité sur le reste des paramètres. Donc je vais décider si je shoote à une ouverture qui est très faible ou à une ouverture qui est très grande. En fonction de ça, je vais avoir plus ou moins de profondeur de champ et donc ça c'est un deuxième choix artistique que je fais. Est-ce que je vais avoir une très faible profondeur de champ, donc je vais avoir un f-stop qui va être autour de 1.4, 2.8, 3 par exemple, ou est-ce que je veux beaucoup de profondeur de champ, par exemple f7, 8, 9, 10, 11, 22 et l'infini, etc. Et ce choix est vraiment très très simple à faire quand tu shootes en aperture priority parce qu'en fait c'est le seul choix que tu as à faire. Et pour moi, quand je shoote dans la rue, j'ai pas trop envie de réfléchir à tous mes paramètres et je trouve que c'est quelque chose de très agréable de pouvoir changer très rapidement. Donc ça dépend vraiment de ta préférence personnel, mais moi maintenant de nos jours je suis à peu près à 50-60% du temps en aperture priority et je suis l'autre 50% du temps en manuel. Donc maintenant il y a une chose à savoir, c'est que quand tu es en priorité à l'ouverture, et ta vitesse d'obturation dont on vient juste de parler, tu peux pas vraiment la régler sauf si tu utilises ce petit truc, c'est une fonction qui est dans ton appareil qui s'appelle la vitesse d'obturation minimum en fonction de tes paramètres. Et tu peux en fait régler, dire à ton appareil, je veux pas que ta vitesse d'obturation descende par exemple en dessous de 1/250, 1/125 de seconde, quelles que soient les conditions. Tu fais ce que tu veux, tu m'augmentes les ISO si tu veux, mais ne descends pas en dessous de cette limite. C'est hyper important parce que quand tu es là avec ton appareil et que des fois tu comprends pas en fait pourquoi tes photos sont floues ou tu sais pas ce qui s'est passé et t'as pas remarqué en fait, mais ton appareil essaie de garder un ISO faible et du coup il a réduit ta vitesse d'obturation, et ben c'est ce qui peut arriver. Mais grâce à ce mode là, et ben ça peut déterminer des limites inférieures qui peuvent vraiment te sauver la vie quand tu prends des photos, surtout quand tu essaies de shooter rapidement. Alors maintenant, attends, on essaie de remettre ça. Maintenant j'imagine que tu dois te poser la question, à quel moment est-ce que moi j'utilise tout ce qui est manuel? Alors, perso, j'adore shooter en manuel, surtout, ouh, la table n'est pas du tout stable, surtout quand en fait je cherche à avoir des effets un petit peu particuliers. Par exemple, si je shoote pour les hautes lumières, c'est-à-dire que je vais jouer avec les ombres, je vais avoir des silhouettes, etc. Et ben là, le mode manuel, ça va être parfait. Surtout quand tu shootes sur un mirrorless,
un appareil hybride sur lequel tu as un rendu direct. Donc tu peux jouer avec tes paramètres et les régler vraiment très facilement. Donc je shoot en manuel principalement quand je cherche à avoir des effets un peu particuliers. Et personnellement, quand tu shoots avec un mirrorless et avec un hybride, bah franchement manuel ça devient vraiment très simple. C'est pour ça que maintenant je shoote plus de 50% de mon temps en manuel. La dernière chose, c'est si tu shoots des clients, comme je faisais par exemple dans Paris, je shootais beaucoup de portraits, et ben quand tu shoots en manuel, c'est très très rapide à éditer parce que toutes tes photos sont exposées de la même manière. Elles ont toutes la même white balance, la même balance des blancs. Et ça, c'est vraiment très rapide parce que tu peux batch edit tes images. Tu peux les éditer en batch. J'espère que ça a du sens. Donc voilà, ça va être un peu pour les paramètres principaux. Après, il y a un mode que j'aime bien sur mon appareil qui est le mode silencieux. Et je pense qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui l'ont aussi. Parce que ça permet vraiment d'être discret. Quand tu fais de la photo de rue, bah c'est sympa d'être discret. Même si moi, j'adore parler avec les gens, bah des fois, tu es dans une situation avec pas mal de monde autour de toi, mais tu peux pas faire trop de bruit juste pour pas déranger en fait quand tu prends des photos. Donc ça, c'est un mode que j'aime beaucoup. C'est le mode silencieux sur mon appareil. Alors là, normalement, tu te poses la bonne question. Est-ce que je shoot en autofocus continu ou en autofocus single shot ? Qui est à dire que l'appareil va faire la mise au point une fois et s'arrêter après. Eh bien écoute, ça dépend énormément. Moi dernièrement, j'ai complètement changé mon style. Avant, je passais mon temps à faire du half press, c'est-à-dire que j'allais à moitié appuyer sur le déclencheur et ça allait faire la mise au point et ensuite j'allais rappuyer. Dernièrement, ce que j'ai commencé à faire, c'est utiliser ce petit bouton, le bouton qu'on appelle back button focus en anglais. Donc si tu veux être cool, t'appelles ça BBF. Et en fait, tu appuies à l'arrière pour faire le focus et tu appuies sur ton déclencheur juste pour faire la photo et plus du tout pour faire le focus. C'est-à-dire que tu vas enlever la fonction focus du bouton là et tu vas le mettre à cet endroit là en fait. Et je te raconte pas, c'est hyper difficile de s'y habituer pendant les 2-3 premiers jours. Mais au bout de 3 jours, eh ben, tu comprends vraiment pourquoi c'est mieux. C'est tellement plus rapide de shooter comme ça, je te raconte pas. Sauf si tu dois prendre des selfies et que tu essayes d'appuyer, là c'est pas la folie. Mais pour le reste des cas, qui sont 99,9% des cas, c'est vraiment très très rapide. La raison est très simple. En fait, quand tu shootes comme ça, ton appareil photo, tu le laisses en AFC, c'est-à-dire en autofocus continu. Mais la beauté, c'est que ton autofocus continu ne se mettra en route que quand tu appuies sur le bouton. C'est-à-dire que, par exemple, tu shootes quelque chose, tu appuies sur le bouton, ça va se mettre en autofocus continu. Tu vas mettre ton focus au bon endroit, sur ton sujet. Ensuite, tu vas relâcher ce bouton et là, tu vas pouvoir prendre des photos. Et tant que tu ne rappuies pas, en fait, ton focus ne va pas changer. Et ça, c'est un avantage incroyable parce que je sais pas si tu connais ce qu'on appelle focus recompose, c'est-à-dire que tu focuses et ensuite tu refais ta composition parce que, par exemple, tu voulais mettre ton sujet en bas à droite de l'image ou en bas à gauche. Et bien, en fait, quand tu es en BBF, quand tu es en back button focus, c'est hyper pratique. Tu n'as pas besoin de faire de manipulation, tu n'as pas besoin de le bloquer ou quoi que ce soit. Et si jamais tu veux passer en autofocus continu parce que ton sujet vient vers toi, et ben tu auras juste appuyé à l'arrière et ensuite tu prends tes photos naturellement. Je te raconte pas, ça a changé ma vie. Il y avait beaucoup d'amis qui m'avaient dit il faut que tu essayes. J'avais essayé pendant un jour, ça m'avait pas plu. Et puis là, je me suis forcé pour une vidéo sur la chaîne anglaise à le faire pendant 3-4 jours. Et en fait, je t'avoue que c'est vraiment plus rapide. Donc si tu veux essayer, je t'invite à essayer. C'est vraiment cool. Donc AFS, c'est si ton sujet il bouge pas. AFC, qui est en continu, bah, si ton sujet il bouge, qui vient vers toi, etc., c'est là que tu veux shooter en AFC. Et dernière chose, ton point de focus, moi, mon mappage focus, il est la plupart du temps, allez, 99% du temps, on va dire, il est en single point. J'aime bien savoir exactement où est le point sur lequel je vais focus. Il y a des zones focus qui sont cool, par exemple, si j'essaie de choper un oiseau dans le ciel et que moi, j'arrive pas à le choper avec mon point de focus. Perso, je veux toujours être en contrôle de où est ma mise au point, et ça c'est hyper important pour moi en tout cas. Après, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est essentiel. Maintenant, dernière petite chose, on va parler un petit peu de matos. Qu'est-ce que j'utilise et pourquoi? Bonne question. Alors, en matière de matos, parlons matos maintenant, parce que ça va vraiment avoir une grosse influence sur tes photos. Et oui, en fonction des objectifs que tu vas utiliser, et ben tu auras des photos complètement différentes. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise principalement, premièrement en appareil, j'utilise un Sony A7 R3. Je l'ai récupéré janvier 2018, donc juste à sa sortie. Super content, aucun problème, etc. C'est un boîtier qui
tient bien dans la main, qui a plein de fonctions, et puis il y a 42 mégapixels, c'est un petit peu overkill pour certaines situations, mais moi ça me plaît énormément comme boîtier. Alors, le plus important n'étant pas le boîtier, mais étant les objectifs, qu'est-ce que j'ai ? Je pense que je ne suis pas le meilleur exemple pour tout ce qui est photo de rue parce que mon matos il prend énormément de place. Premièrement, j'utilise deux objectifs principalement. J'utilise soit ce 24 mm 1.4 que j'adore. J'ai fait pas mal de vidéos dessus sur la chaîne en anglais parce que je suis juste un très très gros fan de sa taille, de son poids et puis surtout des photos qui sont absolument magnifiques. 24 mm c'est large. Donc si tu shootes dans la rue, il faut vraiment que tu sois confortable de t'approcher des gens et d'être assez près. Si tu n'es pas trop confortable, je te conseille de commencer à 35 mm et 50 mm version plein format. Juste comme ça, tu es un petit peu plus éloigné, mais tu arrives quand même à donner un petit cachet à tes photos qui donnent l'impression d'être dans l'action. Si tu shootes de plus loin et que tu utilises un objectif télé, eh ben, tu vas avoir un effet un petit peu différent. Tu auras plus de compression, c'est-à-dire que ton background il sera un petit peu plus proche, mais en même temps tu auras aussi un effet qui est un petit peu plus distant. Que quand tu es en grand angle et que tu es vraiment prêt, et ben je peux te dire que ça te donne l'impression d'être un peu aspiré dans la photo. Donc j'utilise cet objectif là, le 24 mm. J'utilise aussi un 16-35 f/2.8, très très bon objectif, magique. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, donc bon, il commence à faut que je le répare encore une fois. Bref, et dernièrement, j'utilise aussi un téléphoto, un 70-200 f/2.8. Alors par contre, ça c'est une énorme bête. Quand tu fais de la photo de rue avec, je te le conseille pas énormément parce que ça fait un peu peur aux gens en fait, on va dire. Et puis ça te fait peur aussi, t'as un peu peur de te le faire voler. C'est dur d'être discret avec en fait. Par contre, les photos sont juste incroyables, c'est super comme objectif et c'est très 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 polyvalent. Bon, un 2.8, ça coûte dans les 2000€ et plus. Donc moi, ce que je te conseille, franchement, si tu veux un bon téléphoto, et c'est un objectif que je veux absolument, c'est récupérer un 85 mm f1.8. Ça, c'est excellent, ça shoot super la nuit, t'as un très très beau bokeh, c'est top pour les portraits. Bref, c'est vraiment polyvalent et puis ça te donne vraiment cette distance entre toi et ton subject qui te permet d'être un petit peu plus discret, de mettre des objets devant ton appareil, etc. pour avoir des effets sympas dans les photos. On parlera de tous ces effets que tu peux avoir dans un autre épisode, mais ça c'est pour la partie matos et c'est pour le feeling. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. 35 mm et 85 mm c'est le top du top si tu veux avoir une bonne expérience quand tu shootes de la photo de rue et de la photo de voyage. Alors ceci étant dit, moi j'ai envie de savoir un petit peu comment tu utilises ton appareil, quels sont les paramètres que tu utilises, est-ce que tu as des conseils, quel est ton objectif préféré, qu'est-ce que tu préfères shooter. Dis-moi tout ça dans les commentaires, j'ai envie d'avoir un petit peu ton aperçu. Moi j'ai partagé le mien, maintenant c'est à toi. Ceci étant dit, tu vois, tout le monde sort du travail là. Ce qui est rigolo, c'est qu'aux États-Unis, eh ben, ils sortent assez tôt. Là, il est à peu près 16h30. Par contre, ils commencent vers 7h30 le matin. Donc, c'est un petit peu différent. Je vais aller prendre des photos avec l'appareil, le 70-200, essayer d'avoir un petit peu de compression et tout ça. Ça va être bien sympa. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est pulvériser le bouton s'abonner. Comme ça, tu seras notifié quand il y aura des nouvelles vidéos. En fait, non, tu ne seras pas notifié. Il faut que tu fasses sonner la petite cloche pour que tu sois notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, tu auras tous les conseils photos, tu viendras un petit peu dans toutes ces aventures. Donc bref, si tu es intéressé, rejoins-moi sur cette chaîne et n'oublie pas de partager avec tous tes amis. Il faut qu'on fasse grossir cette chaîne assez vite. Avec un petit peu de chance, on peut la faire dépasser la chaîne anglaise en niveau taille en moins de temps. On va voir, hein. Ça peut être un petit concours intéressant. Je te laisse décider. Bref, avec ça, je te souhaite une très bonne journée. Je te vois dans le prochain épisode. Get out there, go shoot, try something different. Try something new. I'll see you in the next episode. Bye!